Ils sont debout et désormais mobilisés pour être des ambassadeurs de paix et de non-violence. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto venus répondre à l'appel de l'Amazon des temps modernes, la ministre Adiyatou Matiss. Cette dame de fer ne cesse de multiplier les actions allant dans le sens du dialogue social, de la préservation de la paix et de la consolidation de la démocratie chèrement acquise. Cet événement qui nous réunit encore ce jour, dont l'importance n'est plus à démontrer, en dit long. Il interpelle notre sens de responsabilité et de patriotisme et nous engage tous à être des ambassadeurs de paix partout où besoin sera. Madame la ministre est une dame de paix. Elle souhaite la paix partout où elle passe. Je sais que vous êtes nombreux, mais tout le monde n'est pas ici. Vous devez véhiculer le message de la paix. Vous devez faire en sorte que la paix règne dans notre département. La paix règne dans la ville capitale de Porte-Novo. Et la paix règne également dans tout le Bénin pour que la période électorale soit une période de fête et une période apaisée. Environ 300 venus des communes de Louémé, les IM, ambassadeurs de paix, ont été entretenus sur les comportements gages de paix en période électorale. Si tu veux la paix pour ton pays, si tu veux que nous soyons en paix, si tu veux la paix pour ton pays, réponds à la bonne. Dis merci. Ne pas tenir des propos qui divisent. Privilégier le dialogue, la concertation. Préserver et renforcer la paix, placer l'intérêt général et le bien commun au-dessus de ses intérêts personnels, informer son entourage, c'est-à-dire diffuser la vraie information, tolérer la diversité d'opinions, véhiculer le message de longue nouvelle, préserver les acquis du PAG, programme d'action du gouvernement, promouvoir le fair play démocratique. Sans phare ni bavure, la ministre a été, on ne peut plus clair, dans son allocution. Chers compatriotes Zim, nous sommes venus à votre rencontre cet après-midi parce que nous connaissons le poids social que vous constituez dans notre cher et beau pays, le Bénin. Vous êtes une force de travail incontestable. Le travail étant source de paix, vous êtes artisans de paix. Vous êtes des ambassadeurs de paix. C'est fort de votre rôle éminemment social que nous avons jugé nécessaire de commencer la sensibilisation avec vous en cette période préélectorale. Mesdames et messieurs, le Bénin ne doit pas être enflammé en période électorale. Ensemble donc, faisons bloc pour semer la paix autour de nous. Nous devons barrer la route à la violence. Nous devons refuser d'être un instrument de violence. Cela appelle de notre part une vigilance accrue à refuser de nous associer à tout groupe organisé ou non en bande de violence. Notre survie et surtout l'avenir de la jeunesse, l'avenir de nos enfants en dépend. C'est à cette mission sensible et importante que j'ai bien voulu vous envoyer. Vous l'incarnez à bien des égards et vous en avez la tradition. Semez les germes de paix dans le cœur de vos aimables clients et des autres Béninois que vous rencontrerez partout. Je voudrais, avant de terminer mon propos, inviter tous nos compatriotes à garder constamment à l'esprit, pour une paix durable, cette exhortation du pape Jean-Paul II, je cite, « Recherche la paix, prie pour la paix, travaille pour la paix », fin de citation. Je
réponse à l'appel de la ministre, le représentant des conducteurs de taxi-moto adresse des mots d'assurance et de réassurance. Mes chers amis, mon message de ce soir n'est pas long, c'est un message court. Dans l'intervention de tout le monde, on dit les SEM. S'il y aura la paix, c'est nous. S'il y aura encore la violence, il paraîtrait que c'est nous. Mais cette fois-ci, je parle en votre nom. Nous, on ne fait que prôner la paix. Quand vous prenez un client, quand nous prenons un client, il faut lui parler de la paix. Et lui parler surtout de ce que nous voyons dans Port-Nouveau, dans Diarra, dans Vrancou, depuis 5 ans que le président Talon est venu au pouvoir. C'est des choses que nous, on n'a jamais rêvé voir. Donc, c'est ça. Le message n'est pas long, c'est la paix. Quand vous discutez avec quelqu'un et il veut dérailler, taisez-vous et continuez votre chemin. C'est la paix, rien que la paix, et c'est la paix. Mission accomplie donc pour la ministre Adigato Matisse. Il revient maintenant aux EM, ambassadeur de paix, à aller annoncer la bonne nouvelle. Thank you.